بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chères sœurs en islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit à nous, pendant qu'il s'agit pour mesure Domi, Shaitan bin Atas, trois nez à l'oreiller sur la tête. Le chaque nez lui dit, ça veut dire lorsque nous avons dormi le soir, il est capable d'être monsieur ou une madame, Shaitan bin Atas, trois nez à l'oreiller sur la tête. Il y a une malcompréhension qui finit circuler, et il y a des fois, nous trouvons une bonne frère et une bonne soeur, je prononce ça, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons dormi le soir, Shaitan bin Atas trois nez dans nos cheveux. C'est pas dans nos cheveux ça, mais où ça? Yata sa trois nez là, c'est à l'oreiller nous la tête. À l'oreiller nous la tête. Le chaque nez, Shaitan lui dit Aleik aleilon tawilon farkoud. Et n'a une longue la nuit devant toi, dormi. Il peut faire. Sa serviteur là comprend qu'il a nuit là longue, elle est capable de dormir encore. Quand il peut montrer en trois fois les dieux de sa trois nez là, et n'a une longue la nuit devant toi, dormi. Par ça, nous finis comprendre qu'il peut le faire concernant Namaz Fajar de sa croyance. Est-ce qu'il y a oulé nous gagner Namaz Fajar à cause ça qu'il y peut dire moi dormi la nuit longue ou bien il y a oulé qui me brille mon rat mon Namaz Fajar? Nous connaissons très bien. Nous connaissons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit s'il y finit réveiller et il fait dhikrullah, ça veut dire cet individu là le matin, il levé, se sommeil, il cassé. Il fait dhikrullah, il pense à Allah, il fait doa. Un nez logué. Il y a tas trois. Premier là, comment logué? C'est avec Dhikrullah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit c'est lui fait un oiseau, un autre nez logué. Deuxième nez là, comment logué? C'est pas faire oiseau. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit nous c'est lui fait un salat, un autre nez logué. La ilaha illallah. Qui trois actions qui m'ont amené le matin? Pour qui sa trois nez qui chétonne fin atas à l'oreiller ou la tête li logue, premier, dhikrullah, deuxième, mou faire oiseau, et troisième, mou établir, mou faire namaz. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam djanou, et donc, li levé avec courage et avec une bonne humeur. Quand sa trois nez la fin logue avec moi, comme mou peut lever, grand matin, mou lever avec la force, me lève en une bonne humeur, avec un bon mood. Quand une personne finit lever le matin avec la force, avec vigueur, avec un bon mood, excepté ne pour trouver qu'il peut une personne, il peut donner une bonne performance, peu importe où ça y aller. Si un étudiant, quand il lève avec courage, avec une bonne humeur, dans l'école, il est capable d'apprendre. Il y en a la force, il peut manger, boire, il peut faire son best pour apprendre. Et s'il y a quelqu'un qui travaille, nous trouver dans ce travail, il peut pas travailler. Il peut amener un bon résultat, une bonne action. Et ça, pour faire une promotion. Qui fait? Il fait Namaz Fajar. Ça, trois années là, il est. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sinon, il lève avec une mauvaise humeur et quand même paresse. Si ça trois années là pas de loguer pour lui, il pas de faire avec l'Allah, il pas de faire wazou, il pas fin faire namaz, quand ça individu là il fin lever, chers frères et chers sœurs en islam, il lever avec une mauvaise humeur, se mood gâté parce qu'il est encore sous l'effet de sa trois années là et aussi bien il comment elle paresse. Sa personne là n'importe quoi ça nous met dans l'école, dans le travail, dans l'université, il n'est pas pour capable d'amener un bon résultat. Qui fait? Parce que il n'est pas pour capable de performer, il est encore soulevé de sa banne là,
Et ça, une Philippinienne, Paris. La ilaha illallah. Get l'importance, lever le matin, nous faire dhikr Allah, nous faire wazou et nous faire namaz. En même temps, là-dedans, l'autre leçon qui nous apprend, c'est que, comme Allah dans le Coran nous dit dans Surah Falaq, wa min sharri nafathat fil 'uqad, oh Allah, mon péché protection avec toi contre ban qui soufflait de banné. Ça veut dire mon péché demande la protection contre la sorcellerie. La sorcellerie n'y pas prend place sans faire banné. Ça ban sorcier, les capable monsieur ou madame et n'a plus beaucoup madame qui fait la sorcellerie. Quand je fais la sorcellerie, je t'attasse banni. Je t'attasse banni. C'est Allah qui nous a mis dans le Coran. Et min sharri nafathat fil 'uqad. Oh Allah, je vais demander ta protection contre les gens qui soufflent le banni. Parmi les actions, qui est l'action qui m'a mené afin que ça ne l'aure sa banni là, une personne qui finit tousser par la sorcellerie. Qui est l'action qui a mené afin que ça ne l'aure par l'autre Allah. Get qui action ici, puis l'autre sa banni qui chéton fin attassé là. N, faire avec Allah en quantité. Deuxième, faire wazou, reste avec wazou. Et troisième, faire namaz. Faire namaz, inshallah, ça trois actions-là, accompagnées avec d'autres banes ribada qui basent au Coran et Sunna, sa personne qui finit touchée par la sorcellerie-là, inshallah, les pougains sur la santé, les poubiens depuis sa maladie-là. جزاكم الله خيرا